de Samuel, chapitre 20 et chapitre 21. De Samuel, chapitre 20. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de port pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda. Et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda. Mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le. De peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui veut de Joab et qui est pour David ?» Qu'ils suivent Joab. Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient, quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab. Afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maaca. Et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaca. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaca et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors, une femme habile se mit à crier de la ville.
Écoutez, écoutez. Dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici. Je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël? Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sagesse. Et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville. Et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Akilud, était archiviste. Shija était secrétaire. Sadoc et Abiathar était sacrificateur. Et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. De Samuel chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel, à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül,
à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibosheth. Et les sept fils que Merab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Mérola, fils de Barzilaï. Et les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Sela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi ben Hob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 sicles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Seruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors, les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sibekaï, les Hushathites, tua Zaph, qui était un des enfants de Rapha. Il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fille de Jaareh-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Samuel 20 and 21. Samuel 20, the revolt of Sheba. There happened to be a troublemaker there named Sheba, son of Bichri, a man from the tribe of Benjamin. Sheba blew a ram's horn and began to chant, "Down with the dynasty of David. We have no interest in the son of Jesse. Come on, you men of Israel, back to your homes." So all the men of Israel deserted David and followed Sheba, son of Bichri. But the men of Judah stayed with their king and escorted him from the Jordan River to Jerusalem. When David came to his palace in Jerusalem, he took the 10 concubines he had left to look after the palace and placed them in seclusion. Their needs were provided for, but he no longer slept with them. So each of them lived like a widow until she died. Then the king told Amasa, "Mobilize the army of Judah within 3 days and report back at that time." So Amasa went out to notify Judah, but it took him longer than the time he had been given. Then David said to Abishai, "Sheba, son of Bichri, is going to hurt us more than Absalom did. Quick, take my troops and chase after him before he gets into a fortified town where we can't reach him." So Abishai and Joab, together with the king's bodyguard and all of the mighty warriors, set out from Jerusalem to go after Sheba. As they arrived at the great stone in Gibeon, Amasa met them. Joab was wearing his military tunic with a dagger strapped to his belt. As he stepped forward to greet Amasa, he flipped the dagger from its sheath. "How are you, my cousin?" Joab said, and took him by the beard with his right hand as though to kiss him. Amasa then noticed the dagger in his left hand, and Joab stabbed him in the stomach with it, so that his intestines gushed out onto the ground. Joab did not need to strike again, and Amasa soon died. Joab and Abishai left him lying there and continued after Sheba. One of Joab's young men shouted to Amasa's troops, "If you are for Joab and David, come and follow Joab." But Amasa lay in his blood in the middle of the road, and Joab's men saw that everyone was stopping to stare at him. So he pulled him off the road into a field and threw a cloak over him. With Amasa's body out the way, everyone went on with Joab to capture Sheba, son of Bichri. Meanwhile, Sheba traveled through all the tribes of Israel and eventually came to the town of Abel Beth Makkah. All the members of his own clan, the Bichrites, assembled for battle and followed him into the town. When Joab's forces arrived, they attacked Abel Beth Makkah. They built a siege ramp against the town's fortifications and began battering down the wall. But a wise woman in the town called out to Joab, "Listen to me, Joab. Come over here so I can talk to you." As he approached, the woman asked, "Are you Joab?" I am, he replied. So she said, "Listen carefully to your servant." "I'm listening," he said. Then she continued, "There used to be a saying, if you want to settle an argument, ask advice at the town of Abel. I am the one who is peace-loving and faithful in Israel, but you are destroying an important town in Israel. Why do you want to devour what belongs to the Lord?" And Joab replied, "Believe me, I don't want to devour or destroy your town. That's not my purpose. All I want is a man named Sheba, son of Bichri from the hill country of Ephraim, who has revolted against King David. If you hand over this one man to me, I will leave the town in peace." "All right," the woman replied. "We will throw his head over the wall to you." Then the woman went to all the people with her wise advice, and they cut off Sheba's head and threw it out to Joab. So he blew the ram's horn and called his troops back from the attack. They all returned to their homes, and Joab returned to the king at Jerusalem. Now Joab was the commander of the army of Israel. Benaiah, son of Jehoiada, was captain of the king's bodyguard. Adoniram was in charge of forced labor.
Jehoshaphat, son of Ahilud, was the royal historian. Sheba was the court secretary. Zadok and Abithar were the priests. And Elah, a descendant of Jer, was David's personal priest. Samuel 21. David avenges the Gibeonites. There was a famine during David's reign that lasted for 3 years. So David asked the Lord about it, and the Lord said, "The famine has come because Saul and his family are guilty of murdering the Gibeonites." So the king summoned the Gibeonites. They were not part of Israel, but were all that was left of the nation of the Amorites. The people of Israel had sworn not to kill them. But Saul, in his zeal for Israel and Judah, had tried to wipe them out. David asked them, "What can I do for you? How can I make amends so that you will bless the Lord's people again?" "Well, money can't settle this matter between us and the family of Saul," the Gibeonites replied. "Neither can we demand the life of anyone in Israel." "What can I do then?" David asked. "Just tell me and I will do it for you." Then they replied, "It was Saul who planned to destroy us to keep us from having any place at all in the territory of Israel. So let 7 of Saul's sons be handed over to us, and we will execute them before the Lord at Gibeon on the mountain of the Lord." "All right," the king said, "I will do it." The king spared Jonathan's son, Mephibosheth, who was Saul's grandson, because of the oath David and Jonathan had sworn before the Lord. But he gave them Saul's 2 sons, Armoni and Mephibosheth, whose mother was Rizpah, daughter of Aiah. He also gave them the 5 sons of Saul's daughter, Melah, the wife of Adriel, son of Barzillai from Meholah. The men of Gibeon executed them on the mountain before the Lord. So all 7 of them died together at the beginning of the barley harvest. Then Rizpah, daughter of Aiah, the mother of 2 of the men, spread burlap on a rock and stayed there the entire harvest season. She prevented the scavenger birds from tearing at their bodies during the day and stopped wild animals from eating them at night. When David learned what Rizpah, Saul's concubine, had done, he went to the people of Jabesh-Gilead and retrieved the bones of Saul and his son Jonathan. When the Philistines had killed Saul and Jonathan on Mount Gilboa, the people of Jabesh stole their bodies from the public square of Bethshan, where the Philistines had hung them. So David obtained the bones of Saul and Jonathan, as well as the bones of the men the Gibeonites had executed. Then the king offered that they bury the bones in the tomb of Kish, Saul's father, at the town of Zelah, in the land of Benjamin. After that, God ended the famine in the land. Battles against Philistine giants. Once again, the Philistines were at war with Israel, and when David and his men were in the thick of battle, David became weak and exhausted. Ishbi-benob was a descendant of the giants. His bronze spearhead weighed more than 7 pounds, and he was armed with a new sword. He had cornered David and was about to kill him, but Abishai, son of Zeruiah, came to David's rescue and killed the Philistine. Then David's men declared, "You are not going out to battle with us again. Why risk snuffing out the light of Israel?" After this, there was another battle against the Philistines at Gob. As they fought, Sibekai from Hushash killed Saph, another descendant of the giants. During another battle at Gob, Elhanan, son of Jer from Bethlehem, killed the brother of Goliath of Gath. The handle of his spear was as thick as a weaver's beam. In another battle with the Philistines at Gath, they encountered a huge man with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in all, who was also a descendant of the giants. But when he defied and taunted Israel, he was killed by Jonathan, the son of David's brother Shimeah. These 4 Philistines were descendants of the giants of Gath, but David and his warriors killed them. The word of God for the people of God. Amen.
De Samuel, chapitre 20. Dans la ville Gilgal, te genyon nom yote rele Sheba. Petit Bikri, nan branche fami Benjamin. C'était yon vagabon. Li mande trompette li. Li manche trompette li. Li rele pep la et puis li di yo bien fort. Nous pas gen rien pour nous wè ak David. Nous pas besoin rien dans affaire petit Isaïe. On a la caille nous. Nous même moun pays Israël yo. C'est comme ça moun pays Israël yo viré do bay David pour yo suivre Sheba petit Bikri. Mais moun pays Juda yo rete ak David. Yo suivre li depuis la rivière Jourdain rive la ville Jérusalem. Le David rive nan palais a. Le David rive nan palais li la ville Jérusalem. Li prend 10 femmes kay li te kite pour occuper palais a. Li ferme yo nan yon kay a pa ak moun pou sive yo. Li ba yo tout sa yo bezwen. Men li ba jom kouche ak yo yon anko. Li rete ferme la, yo rete ferme la tout res la vi yo. Tan kou fam ki pèdi mari yo. Apre sa, wa pale ak Amasa, li dil kon sa. Mba ou 3 jou pou semble tout mesye Juda yo. Apre sa, wa vin ak yo devan. Amasa pati al averti mesye Juda yo. Men li patounen dat wa te bali pou li tounen. Wa rele Abishayi li dil kon sa. Sheba pral ban nou plis traka pase Absalom. Pran komandman la me mwenyan. Pati de yel anvan li gen tan jwen yon la vil ak gro ranpa pou chape an ba men nou. Se kon sa soldat Joab yo, keretien yo ak peletien yo ak tout lot vanyan soldat ki te nan la me wa kite la vil Jerizalem ak Abishayi, yo pati de Sheba. Le orive bo gro wosh ki nan la vil Gibeyon, Amasa vin kontre ak yo. Joab te gen rad batay li sou li, ak yon epe nan djen li mare nan rel. Joab vanse devan. Nepe a soti nan djen nan, li tombe a te. Joab di Amasa, bam nouvel ou nan zami. Epi li kembel nan baba ak men dwat li pou l boli. Amasa menm pa fè atansyon, lot nepe Joab te kembe nan men gòsh li a. Joab jagel nan vant. Tout trip li soti deyò. Li mouri la menm. Kon sa, Joab pat bezwen bali yon dezyem kou. Apre sa, Joab ak Abishayi frèl la, pati de Sheba. Yon nan soldat Joab yo te kampe bo kadav Amasa, li pran rele bien fò. Tout moun ki pou Joab ak David, se pou yo suiv Joab. Men, kadav Amasa, tout plein san, te blayi nan mitan route la. Les soldats Joab la wè, chaque fois yon moun rive devant kadav la, li rete, li pran kadav Amasa. Li trenel nan yon jardin sou kote route la. Li voye yon rad sou li. Le li wè te kadav la nan mitan route la, tout la me a passé. Yo pati ak Joab de Sheba petit Bikri ya. Sheba bo pal même te passé nan tout pays ki pou branche fami Israël yo. Li rive la vil Abel Bet Maka, tout moun fami Bikri yo te semblé deyèl. Yo suiv li nan la vil la. Soldat Joab yo vin rive devant Abel Bet Maka. Yo sene la vil la. Yo empile ramblè nan piye gro miray deyò pou yo te ka envahi la vil la. Apre sa,
yo pran fouye an ba miray la pou fèl tombe. Te gen yon fòm nan la vil la ki te gen bon kompran. Li rete sou miray la li di, Ey, tan pri, koute sa map di nou, al di Joab pou l'proche bo isit la, mwen ta reme fè yon ti pale avèl. Joab vin rive vwe, fòm la mandil. Se ou menm ki Joab la? Joab reponde, oui, se mwen menm, fòm lan dil. Se servis map ran nou, koute sa map di ou? Joab reponde, map koute ou, oui? Fòm lan dil kon sa. Nan tan lontan yo te kon di, depi ou bezwen konen ki choy, desan la vi la bel, al mande la. Se kon sa moun te toujou regle zafè yo. La vil nou se yon nan la vil peyi Israel yo, kote ki pa gen de zot. Le fini, li pa jom vire do bay wa. Pou ki sa wap chache de tuil? Se krasé ou vle krasé sa ki pou se ye? Joab repon ni. Sa ou kowe a se pa sa. Se pat nan li dem, ni pou mte krasé, ni pou mte detui la vil ou non? Se pa de ye sa nou ye. Gen yon nom yore le Sheba, pitit gason bi kriya. Se moun mon Efraim liye, li pran le zam kontwa David. Si ou la gen nom sa nan menm, map vire dom kite la vil la an repo. Fam lan repon ni. Nap voye tèt li jete lot bomiray la ba ou. Lal pale ak moun la vil yo, li di yo sa li gen li defè. Yo koupe tèt Sheba, yo voye li jete lot bomiray la ba y Joab. Joab fè konnen trompèt la pou bay soldat li yo sinyal pou yo kite la vil la al fè wout yo la kay yo. Joab menm toune la vil Jerizalem al jwenn wa. Joab te komandan tout la mi pèp Israel la. Benaja pitit Jehojada te komandan keretyen yo ak peletyen yo. Gad personel wa. Adoram te responsab korve yo. Jehozafa, petit garçon Aliyoud la, te responsable archivoa. Sheva te secrétaire gouvernement. Zadok ak Abiata te prêt. Te gen yon nom yo te rele Ira, moun la vil Jaï ki te prêt roi David tou. Samuel chapitre 21. Sou rey roi David vin gen yon gros grand groupe pendant 3 ans yon apre lot. Le sa, David alman de seye a sa kap pase. Seye a repon ni. Se krim sa yi lak famil yo, te fe kif ki la koz grand gou sa. Paske yo te sasine moun la vil Gabaon yo. Moun la vil Gabaon yo pat fami moun Israel yo. Se yon ti res nan moun peyi Amori moun Israel yo te pran engajman, yo tap toujou proteje. Men sa yil te si telman chou pou defan entere moun fami Israel ak fami Juda yo, li te soti pou te detui yo. Se kon sa David voye chache yo, li mande yo. Ki sa m ka fe pou nou? Ki jan pou m repare tout sa nou sibi pou nou ka rale benediksyon sou pep seye a? Yo repon ni. Sa nou gen pou nou regle ak Saïl ansanm ak res famili a? Se pa yon kesyon lò ak ajan. Ni nou pa ta reme touye peson nan peyi Israel la. David mande yo. Manye dim, sa nou vle m fe pou nou? Yo repon ni. Saïl te soti pou disparèt nou. Li te fè lide pou te touye nou net pou pa kite. Pou pa kite yon nan nou vivan nan tout peyi Israel la. Eh ben, remèt nou 7 gason nan famili an pou nou ka pann yo devan seye a nan la vil Gabaon. La vil Saïl la menm. Nom seye a te chwazi pou wa. David repon yo. Map ban nou yo. David te bayo Mephibosheth, petit Jonathan, petit Saïl, peut-être seulement lui-même avec Jonathan.
David pa ba yo Mephibosheth pour petit Jonathan, petit Saïl là. Peut-être seulement lui-même avec Jonathan, petit Saïl là. Yo te fait devant bon Dieu. Mais il prend Amoni ak Mephibosheth, des petits garçons rispa, petit Aïa. T'es fait pour Saïl ensemble avec cinq petits garçons Merab, petit Saïl là. T'es fait pour Adriel, petit garçon Basilaï, moun la ville Meola. Li lagé on même moun Gabaon yo ki pan yo sou yon timon devant siye. Yo tous les sept mouri ensemble. Le sa, c'était fin saison printemps. T'es fin commencer récolte loge. Après ça, Rispa, petit Aïa, prend yon rad sac, livlope kol. Livlope kol la dan, lal chita sou roche kote kadav yote ya. Li rete la depi nan commencement récolte la jouk saison la pli arrivé. La journée li tap chasse zoazo ki te vle vin pose sou kadav yo. La nuit li tap kouri deye bet nan bois ki te vle vin devore yo. Yal rapote bay David sa Rispa, yon nan fam kay Saïl yo tap fe. David al pran zosman Saïl ansanm ak zosman Jonathan nan men moun la vil Jabes yo nan peyi Galarad. Moun sa yo te al vo lo kadav Saïl ak Jonathan sou plas publik la vil Bet-Sheyan. Kote moun Filisti yo te pan yo, le yo te fin touye Saïl sou moun Gilboa. David pran zosman Saïl ansanm ak zosman Jonathan yo. Li ramase zosman sept mesye yo te pan yo tou. Le fini li enterre yo ansanm ak zosman Saïl ak zosman Jonathan yo nan tom Kish, papa Saïl. La vil Zela nan porsyon peyi ki pou branche fami Benjamin yo. Yo fait tout ça wa te ba yo lòt fè ya. Après ça, bon Dieu tande la prière yo pou peyi ya. La guerre pété encore entre moun Filisti yo ak moun peyi Israël yo. David descend ak soldat li yo lal goumen ak moun Filisti yo. Pendant y ap goumen kon sa, David senti l bouke. Yon potori garçon bel rote te rele Ishbi Benob. Moun la ras Arafa yo fè l'idée pour touye David. Li te gen yon fren en cuivre ki te pesé 7 livres et demi kon sa ak yon épée tout neuf mare nan ren li. Mais Abishai petit garçon se ou ya vin pote wa sekou. Li attaque moun Filisti ya li touye l. Le sa a moun David yo fè wa promet pour li pa jam vin nan la guerre avec yo encore. Yo dil ou se espoir pep Israël la. Nou pa vle perdi ou. Après ça, te genyon lot bataille encore avec moun Filisti yo la ville Gob. Le sa, si Bekayi moun la ville ou sa, touye Saf, yon lot potori gason nan ras moun Arafa yo. Pendant yon lot bataille avec moun Filisti yo encore nan même la ville Gob la, et la nan, petit garçon Jari, moun la ville Bethléem, touye Goliath. Yon moun la ville Gat. Fren Goliath la te gen yon manche, même grosse ak yon gros manche pilon. Vin gen yon lot batay anko la ville Gat. Le sa te gen yon soldat bel rote, ki te gen 6 doet nan chak men, 6 zotey nan chak pie. C'était yon nan ras moun Arafa yo. Li tap passe moun pep Israël yo nan bêtise. Jonathan petit garçon Chiméa, frè David la, tou yel. 4 soldats pays Filisti sa yo te moun bel rote. Potori garçon nan ras moun Arafa yo la ville Gat. David ak moun pali yo, tou ye yo. Ça c'est parole bon Dieu pour pep bon Dieu. Amen. Thank you.
Oh, 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 oh.